suis allé à Lubumbashi, j'ai fait un combat là-bas, en fait, à Lubumbashi, dans Bundi. C'était pour la première fois qu'on arrivait à Lubumbashi. Il y a un cousin d'un producteur qui m'a dit, mais est-ce que tu peux accepter que dans Kenenayo, dans Zambie, parce que dans mon amour, quand il y a un groupe de balles, il y a un groupe de balles, il y a un groupe de balles, comme dans Zambie, il y a un intéressant. Alors, comme on m'appelle dans mon amour, on a commencé à c'était une occasion pour moi, la découverte, c'est-à-dire une découverte pour moi, quoi. Je suis allé, parce que vous savez, de Lubumbashi à c'est pas à route, hein. À route. Voilà, on peut faire le combat en Zambie. Voilà, comment est-ce que Dieu a rendu les choses. Il y a un autre invité qui s'est pointé. Ah, mais tu fais du bon catch, vraiment, mais comment tu arrives à faire ça? Est-ce que tu peux accepter que donc les noms la Tanzanie, la ça. Tu dis volontiers. N'a pas pensé, mais moi, au milieu, c'est une découverte pour moi. Là, c'est moi, on a bien redécouvert. J'arrive dans Darussala, dans la salle de combat. Et puis, après le combat, il y a une Française, à Evermaille, qui me pêchait, elle aussi m'a enlevé. Comment tu arrives à faire un cache et tout en tant qu'aliment? Et puis, tu arrives à cacher tout le monde. On est en train de rigoler. Il m'a dit, mais est-ce que tu peux accepter que j'aille avec toi à Alaï? Parce que mon mari, c'est un général. Si je partais avec toi là-bas, je pense que ça serait intéressant. Donc, on a dit, mais pourquoi? Dans la rue. J'ai dit, volontiers. Alors, avec mon mari, non, il peut venir. Voilà, je suis allé à Alaï. À l'époque, j'étais encore champion de Kinshasa. J'avais ma ceinture, d'ailleurs. J'étais l'invité du journal. Et puis, dans la rue, pourquoi quatre vous n'en aura une fois par trimestre? Et les gens qui n'ont pas un stage à 16h, à 17h, pour me bannir, 18h, je vais prendre la porte. Et quand moi j'étais l'invité du journal, mais vous savez d'abord, côté ça y est, le ligne à classe, le ligne à peu d'atout. Et puis quelques temps après, il me dit, mais dans 5 minutes, il y a une ligne en vélo. Mais en vélo, par exemple, je vois, ça vient de moi, moi, je vais être en vélo. Tout à l'heure, il m'a profité de mon attaque. Il y avait 5 billets à 100$, 100$. 50 parce qu'ils ont même pas les matières. Ils ont des bisous de Awa, papa Bosco a pris un mandat. Ils ont dit, mais je dois me préparer à la sécurité, pas pour ça, à 4-7 frères, c'est dans ma maison. Mais pour la parole, il n'y a pas de parce qu'ils ont même pas les matières. Et puis, bon, voilà quoi, parce qu'ici, c'est vrai, la difficulté des amis, il va donner une amende. Voilà. Et puis, donc, bah, quand les gens m'ont suivi à la télé, la chaîne nationale, les gens étaient curieux, à la, parce qu'ils n'ont jamais vu un catcheur à Binance. Ils disent, mais nous, est-ce qu'on a tous vraiment. Nous vraiment beaucoup et tout ça parce que tu vois en général les gens disent non. Parce que même moi quand j'avais commencé le catch, les gens, les aînés que j'ai trouvé en catch, je m'appelle qui arrivait, je me disais non, mon jeune Texas, je t'aime beaucoup, mais je ne souhaiterais pas que tu puisses faire le catch parce que vous les deux, vous êtes fragiles, si vous donnez un coup, ta peau va changer de couleur et tout ça. Ils m'ont raconté pas mal de choses. Je les ai dit merci beaucoup, mais moi je vais poser. N'est pas de m'accaparer la vie. Il faut aimer les métiers qu'on fait et puis le faire aussi bien. N'est-ce pas? Oui. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas parler du catch dans ces pays sans pour autant parler de Louis Batexas. J'ai convaincu tout le monde et j'ai mis tout le monde d'accord par ma façon de faire. Et 650 combats, 646 victoires et 4 venues. Donc il faut de la garde de Mugo Salamo, il faut de la garde de Louis Batexas, Mugo Salamo. Et donc, ici à Kinshasa, en Afrique, à Kinshasa, en RDC, en Afrique, je crois que ça traverse le monde, quoi, parce que je viens de faire mon dernier combat en Belgique. Et je vous informe que mon adversaire, c'était un Belge, mais il est passé sur mon bloc en présence de Shaolin et de mon frère aussi, et Kabo Akabo. Voilà. Alors, quand les gens m'ont suivi à la télé, à midi, par toi, ça y est, déjà, ils bandaient à stade. Ils riaient, montaient ma montre, et moi, je vais me voir, on et numéro 1 de la police, il y a là, il y a donné l'ordre de combat sur la porte. Donc, à 14h, le stade était déjà plein à craquer. Et puis, je sors de ce pont à la tête. J'ai dit, mais non, il y a encore du temps, mais non, le stade est déjà plein à craquer. Et je suis allé, en tant qu'invité, je suis le premier à monter sur le ring. Mais pour le coup, en même dans la ring, je ne vais pas le voir venir des prophètes chez soi. J'étais très content parce qu'il y a une jeep de la police devant. Il y a une autre jeep derrière, il y a une jeep à 4 nains de la poêle à RDC. Là, qui est pour la RDC, c'est la police. Mais ah, on va vraiment te rapporter sur le RDC. Voilà, mais c'est comme ça. Alors, je monte sur le ring, j'attendais maintenant mon adversaire. Alors, tant l'arbitre a cité dans un monde, on va trouver un adversaire, un colosse, je vous assure. Hein. Torse, Nino, Calonique, ça m'appelle, moi, Tilo, Tabouquet, à la cuisse.
Alors, vas-y, bah, on dit à... D'abord, quand moi, je suis monté sur le ring, déjà, les amoureux qui catchent, étant en train de me minimiser. Mais il est chétif, lui, à la première minute, il sera déclassé, tout ça. Mais quelques Congolais vont nous résider pour nous dire, non, attendez, vous allez voir. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Quand la vie très amusée, à siffler, quand on a combat et bada, je te le préviens. Il y a pour Banda, donc on a sauté le roi adversaire, à Zabi Moulaï, on a sauté la fan et le col adversaire, on a sali 6 ans pour retourner. Quand le adversaire a poigné, il y a pour poigner ma fourmée de mon nom. Et ça n'arrête pas, tu vois. Parce que si on résistait pour Bouba Likino, alors c'est à nous, c'est tout. Donc ça, c'est à dire qu'il y a des tchats, doudou, n'est-ce pas? Voilà. Mais entre temps, quand nous parlons de la discrimination, la corruption, normalement, c'est bon. Quand j'étais à Lubumbashi, j'ai sillonné dans ma pointe mine. J'étais à Kipushi, je suis allé à Likasi et à Kolwezi. À Kolwezi, quand je suis arrivé, comme nous parlons de la discrimination, je monte sur le ring, à lui d'aller siffler pour l'adresser la matin. Mais ça a pris du temps. Je prends un tard d'air, donc 15 minutes. C'est comme un jour, là, je suis en train d'animer une conférence.
Mais si la peau commence à poser problème, c'est dégueulasse par rapport à la peau.
N'est-ce pas? Et nous, nous sommes encore. Non. Pas nous, nous. Pas dit qu'on a pas voté. Pas dit qu'on a pas voté. Je vous dis quelque chose. Moi, oui, ma texte à tête, vous le voyez ici. Chaque jour, ma chérie va nous dire on a la souci, la chérie n'a pas mon corps. Il y a nous. Voilà l'état. Parce que moi, je vais vous dire, c'est à toi qui a place. Oh non, mais comment ça n'a plus dit, chérie, on a plus désolé. Ah non, mais n'a pas mon corps. Oh non, nous, on va nous pas rassurer. Ah, mais il y a des fois, moi, je monte dans un taxi. Dans un côté, à papa, mon corps, ah, on a maman, mon corps. Parce que nous, nous devons nous dire, nous, 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 papa, mon corps. Vous comprenez? Je suis prêt. Et j'ai dit, comme voilà. Alors, raison pour laquelle je vous dis qu'il faut pas bannir et on va venir une discrimination. Parce que discrimination, moi, est sous-moi. Je dis que la discrimination est un frein pour le palissement de la personne qui va avec l'alimisme pour la manoune, pour les alimentaires. C'est un frein parce que va dire la vision, si quelqu'un n'est pas fort dans ta main, moyen aliment, exacte. Moyen diamant, c'est toi, exacte. Moyen adhère, exacte. Et pourtant, les nous ont aussi droit à l'éducation, n'est-ce pas? Je peux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis venu à Texas. Dieu m'a aidé pour vous savoir maintenant. Je suis célèbre. Je suis un père instruit. Est-ce que vous croyez que n'importe qui est au Savananga? Non. Après, la balade, la soirée, mais qui? La roue, on va l'intéresser. J'ai la table de l'identité, mais ceux qui. Pour nous, on va m'aider. J'ai la facilité à vous récupérer. Dans ce jour, nous avons une demain. Ça se riche pas quand tu veux comme la police, il y a même aux allons de la police. La carte de légitime défense. Il y a un peu moins à côté, mais la message. Dans le reste, je ne comprends. J'aime toujours être en silhouette pour. La reprise à ta spectacle, nous, on va foutre une bonne acrobatie dans la beauté. Alors, donc, je crois que. Faut vraiment que la discrimination ait cessé par les bonhommes et par le corps. La discrimination, parce que pour la discrimination, ce n'est pas seulement nous les doux, mais les personnes handicapées en général. Vis-à-vis, il y a des personnes handicapées. Et ça, la discrimination, c'est à mon moment où il y a des gars, il y a des côtés de nous. Entre temps, nous sommes nos amis, mes frères et sœurs, nous sommes des handicapés potentiels. Vous comprenez? Oui. Nous allons bien nos amis. Mais peut-être qu'on a un peu de temps, point, mon tour est tout le milieu de ma carte est au et d'ailleurs, dans tout ça, ce qui est toujours le problème de l'examen, moi, la discrimination est à l'examen. Parce que autrefois, vous savez, moi, je suis, comme je suis sportif, j'aime toujours aller voir au pied. Et quand je parle, je n'ai pas froid aux yeux, et puis moi, je parle. Moi, je ne vis pas parce que moi, l'éducation dans l'amour. Mais je disais à un pasteur, papa pasteur, la célébrité, c'est une autre chose, mais la spiritualité aussi, c'est une autre chose. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que il peut y avoir un pasteur qui a assez de moyens, mais il n'y a pas ce souci-là de partager avec les autres. Mais c'est un nom de Dieu. Ils ont plusieurs versets bibliques. On oublie un nom d'Amix 6, 38, la vie donnée qui vous sera donnée, la vie qui donne, c'est mais là qui est béni. Est-ce que nous vous salez là-bas? Non. Moi, dans un don, j'ai au moins 250 numéros de téléphone dans ma tête. Mais dans le risque, il faut l'antique à la tête à 125. Pour ça, verset est comme un verset biblique. Et bien, Nathalie a beaucoup de monde. Donc, pour bannir discrimination, ce qu'on bannir discrimination, c'est un mot capé et tout au moins. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle de l'Université du Texas, si j'étais vraiment discriminé un peu les bas, je n'avais pas ce courage à beaucoup de monde. Mais les pétages classiques, comme vous voyez bien, monter dans ces pays. Et aujourd'hui, à travers le monde, les gens ne cessent de dire que la culture démocratique est promue sur un pays modèle à ce qui concerne la considération et l'intégration des personnes vivant avec l'albinisme grâce à Mouba Texas, parce que je suis le précurseur des albinos, je suis le Mandela des albinos. Je veux vous dire quelque chose. J'arrive à l'Europe là où il y avait des amis comme les États-Unis, de l'Allemagne, de partout. Bazoum Nimate, Genaouti RDC, Genaouti Afrique. Parce que l'image, bon, Bazan Amo, nous, nous sommes tous Afrique, donc Bapota, Sanité, tout ça. Mais non, non. Tout ça, Patrick, Bazoum, donc, il faut que la discrimination ait cessé. Et surtout, ceux qui ont été créés à la fin, nous allons en défense. Et ça va être plus sauvage nous. On doit créer ce qui est là. Si aujourd'hui, je suis là des rasoirs, je vais dire au cadre. Ma kiré, vous ne pouvez pas dans la vous pouvez dans la vie, vous couleur rouge. Aucun autre pas dans la vie, les actifs au rouge. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais la couleur rouge, couleur à sang, il y a un moment où les autres qui sont ensemble. Et la raison pour laquelle parfois les gens se posent quand des questions, il y a des c'est un message aussi. Hein.
que couleur rouge, il y a moins de nos sensations, donc les couleurs en matin. Voilà, et puis en plus de cela, quand moi j'avais commencé le catch, il y a une société banéo sur mon mail, on s'est publicité dans mon pays, mais pas là-bas, mais il y a là, rouge, blanc. Et voilà quoi. Donc, et puis en tant que monde de l'Afrique, nous avons la miroir, nous avons une bêtise à ta veste à rouge, nous avons la miroir, nous avons une réunion. Nous n'en a permis à venir à Victor parce que nous voilà pour la boussole à la boule à sa boîte qui nous est venu hier qui nous est venu mon ami qui nous est venu c'est un cosy on avait permis à rien que nous nous bendons de l'Afrique alors donc voilà donc je vous dis mes frères et sœurs il faut que parce que ceux qui discriminent ces années moyennes de développement pour que ça vous allez nous avons l'idée pour la société, donc une société inclusive, pour le développement donc inclusif, vous comprenez? Et ça, nous avons compté aujourd'hui le président Martin. Vous voyez, il y a un non? Mais c'est Martin, il pas, vous voyez vite. Mais ce qu'il réalise, parce que nous sommes ça va valide, quand nous sommes moyens, il y a ça dans la vie. Et peut-être ce qu'il réalise en tant qu'intellectuel, parce que nous avons réalisé à côté. Donc il faut vraiment que tout l'Angola, parce que c'est mon grand coup, parce que ça s'en sert en plus pour le développement de notre pays. Et donc, voilà pour le reste, et je crois que ça me ferait du bien que ma question mine était ou pas la vie. Et là, je pourrais encore rentrer en profondeur pour m'appeler là-dessus. Merci beaucoup, Président Fidesz, pour votre intervention. Et maintenant, nous allons passer à l'étape de. Questions-réponses, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions à poser par rapport à son intervention ou par rapport à d'autres informations que vous avez sur les personnes, sur les albinos, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous avez la parole. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient albinos? Nous, ce qu'on appelle mélanine. La mélanine, c'est cette connotation-là noire. C'est ce qui manque chez nous, les albinos. Pour son ami, c'est Mwindu, et Bimi, pardon, Pembe, et Souk, il a mis ce Pembe, Michu. Donc, mélanine noire, c'est cette connotation noire. Il y a un mot, et il n'y a pas. C'est comme ce que je venais de vous dire, c'est que ma parent, papa et maman, ils avaient ces gènes-là d'albinisme, raison pour laquelle, nous sommes les six dans notre famille, dont trois albinos. Moi, je suis jumeau, mais mon frère jumeau est déjà décédé, et son âme repose en paix. Et donc, voilà quoi. Donc, et puis, comme je suis la province du Congo central, vous savez que chez nous, au Congo central, les albinos ne sont pas du tout nombreux. Et quand je sillonne le pays, c'est dans le bleu Kassai. Quand je suis allé à Kananga, c'est là où j'avais trouvé un bon nombre des albinos. Donc à Kananga, ce que les gars nous parlent, Moko et Lani, faut que tu aies un ami. Les gars nous parlent, Moko et Lani, faut que tu aies un ami. Et depuis ma naissance, d'ailleurs, c'est pour la toute première fois que je venais d'entrer en contact avec des albinos qui sont des sourds, et sont aussi des hermaphrodites. Vous savez ce que c'est que hermaphrodite? Moukazan a deux sexes. Oza Djundu, Oza Baba, puis Oza Pé, n'a deux sexes. Mais la sexe, on les a développé, Et si aujourd'hui il y a des financements, je suis censé de rentrer à Kananga là-bas pour là-bas ça l'opération. C'est quoi ils ont développé, ça l'opération pour les a développé et continuer. Donc vous êtes censé, en fait, que vous êtes d'abord comprendre que pour l'albinos aïa, bah parents ou bah bon dieu albinos, bah on met balé, bah ça la gêne voilà d'albinisme. Mais aussi, y a mes frères, c'est mais vous êtes quand même éduqué comment vous comporter ici. Vous voulez que je vienne faire le catch avec vous? Non. Ça, moi, je n'aime pas quand j'anime. Moi, discipline. Sinon, je vais demander l'autorisation pour que l'encadrement vous tombe là. Parce que ça me déconcentre, tu vois. Il est comme M. Zaki en chemin, là, et qui m'a là. Pourquoi ça va pas mal? Pour la télé, vous avez pas la tête, vous étudiez et tout ça. Donc, vous avez des moments où vous avez des gens qui ne sont pas dans la tête, comme un calais, c'est impossible. Non. Oh là là. Donc je ne sais comment vous continuez pour remercier le cordon Bosco qui a fait tout pour que je vienne ici. Oui. Elle a encore une autre question. Oui. Bon, vous savez que je suis à l'hôpital parce que je ne suis pas médecin. Oui. Et ça, juste. Oui. Et dans ça, médecin, vous savez. Vous savez, surtout
Il y a un adage qui dit que la crédibilité ne s'achète pas, mais ça se mérite. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Même au sein de la fondation, entre nous, quand on dit que c'est une maladie, nous nous soutenons. Président, jamais la maladie. Nous sommes les handicapés. Non, les handicapés. Pourtant, mais bah, tout ça, la personne handicapée. Pourquoi? Il fait que demain, on a l'âme, des handicaps, non? Oui. Ils sont aux tables là-bas. Et ça fait un ce jour-là. Mais parfois, c'est tout un débat. Donc, c'est dit, mais toutefois, il va faire. Et ça, il y a une chose qui est héréditaire. Mais pour ça, héréditaire, d'abord, bah, parents, je vais vous donner un exemple. N'est-ce pas, il y a mon fils aîné, c'est Mouy Mbamaké, c'est Yodi. Il est bien, bah, ben, rien, le fils de race. Il est fier de son père, quoi. Le fils de race. Promoteur, il y a l'agence Pyramide Mouimba Production, il produit des artistes et tout. Et le deuxième, c'est Mabou Mouimba Pelsé. Voilà, Zaradaël est du Parsec. Je me promène souvent avec lui. Je vous dis quelque chose. Je me soussou. Je parle avec mon épouse, mes enfants, mais sinon, vous savez que, comme moi, votre papa, je suis à Minos, tu as la faille, Namaï. Namon a la vieté, visité affaibli, tu as la boue et mais on a nous les limons. Alors un jour, Mbou les Noki, il fallait que nous rendions visite à un journaliste qui était à la RTKM et en masse. Alors, le petit m'accompagne. On arrive dans un coin, tu vois ici au pays, tous les moules et nokis. Il y a tout le marde, non? On arrive dans un coin là, basse, bénin. Petit a signé, papa, attention, je dis, ah, petit, mais comment il a basse? Et là, papa, mon arrivée, il a dit, oh, il a bénin. Mais c'est utile parce que l'enfant a déjà sensibilisé, vous comprenez? Mais, ce qui est là, Thomas et Kwey, mon enfant ne peut pas. Parce que nous, on a des problèmes pour notre on tient le bobo. Ah ouais, c'est fini, non? Même nous, vous avez nous, parfois, vous avez des mal car au moins la tomate, n'est-ce pas? Alors, mais pour nous, tout ça, c'est compliqué. Raison pour laquelle, même moi, je ne suis pas chaud que nous, nous, pour avoir problème, moi, et c'est rien en bas, moi, je crois, nous, n'est pas sur moi, même ma carte, vous comprenez? Mais si vous savez pour la discrimination, même mariage, vous. Et ça, problème, moi je vous dis quelque chose, expérience en valant. Quand vous avez dit, chérie, madame, maman, maman, bébé, vous êtes là, vous avez entraînement, vous avez rendez-vous de l'autre sur là, et tout ça. Donc, vous avez besoin de dire quoi? Mais je peux vous dire, vous avez dit, vous avez dit, encerclé, dans la scène. Quand vous dites, vous avez dit, 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 non, yo tiré de son ici, et tout ça, aux anopes d'une, mais aux la mort, moi, et tout ça. On se repère à ce moment, mais ça y est, il est payé, il va payer la main. Il est payé, il est projeté, il est tracé. Mais quand on se repère à un tel malade, il va payer ça. Il va payer un peu plus grand, il faut entendre à l'autre, on est catch classique, éducatif. Mais non, on a séparé qui parce que. Madame a télémi. Je me coupe en mille morceaux pour la maman bébé de temps à Zara. Vous savez que quand on a parlé à la vie, on a dit Thomas. Mais les lots, ce qu'on va laisser dans la kit, il m'a dit Facebook, on n'a pas d'abri à mon père. Pays de cœur. Vous comprenez? Et puis, c'est la maman, je vais aller un peu plus loin. Je vais entrer un peu en profondeur. C'est la maman, à Bala. Mais un jour, moi, je voulais me faire un combat. Sponsorisé, ça m'a permis de gagner un peu quelque chose de consistant. Et puis souvent, à dire si je fais un combat aujourd'hui, demain je ne sors pas. Je me repose, tout ça dans l'étalé, vers midi. Madame à côté de la chambre, oh non, champion, le grand sœur a dit moine. Je sais là, il traverse le même période de vache maigre, raison pour laquelle je souhaiterais que nous battions moi 5 secondes d'ailleurs sur l'entrée sa bambou et tout ça. Non, il faut donner même 20 parce qu'en dehors, on a là, les alobios sont déjà ça, nous sommes donc il faut. Tinda, vidéo. Mais vous comprenez maintenant, n'en est pas bête, mais hier, à Zanoum, on parle de Bazanoum, mais Piata est continué. Mais yo, nous sommes là, on parle de nous, nous sommes calmes. Vous comprenez? Donc dans la vie, mes frères et sœurs, pourquoi pour minimiser la bataille? Parce que l'homme paie pour éviter. Et puis même, Robert, là, je vais vous dire quelque chose. Et ça va si j'ai terminé, vous êtes hier, il faut qu'on vous le dise. Hein. Nous, nous allons chérir mon boy. En passant, nous informons que sa femme n'est pas albinos. Et puis, il a trois enfants. Deux qui ne sont pas des albinos. Quelqu'un. Voilà.
Fini. Monsieur, je ne veux pas poser une question, mais je vais un peu défendre les clients. Le problème, c'est quoi? C'est vous-même, les albinos, qui vous croyez être un peu ridiculisé. Alors, il y a déjà un certain moment, hein, c'est l'expérience là à Kinshasa, les jeunes ils ridiculisent plus les albinos. Tel que moi, dans ma vie, j'ai eu à voir un ami qui est albinos, qui a été parmi mes meilleurs amis des années 2014, et dans ma vie aussi, j'ai rêvé même une fois sortir avec une albinos. Sortir avec une albinos, je vais te cacher. Épouser. N'est-ce pas? Parce que là, si vous voulez sortir, ton souci seulement c'est de découvrir. C'est un mariage ou un non? Quand je parlais, est-ce que j'avais dit ça de l'autre part? Que les nous aussi ont la part des responsabilités, n'est-ce pas? Oui. Parce que hier, mon nous doit se dimanche, c'est un frein déjà. Mais il y a mingi et vous n'avez pas d'ambino. Parce que souvent, nous sommes un minoritaire. Est-ce que nous ne voulons pas nous battre? Nous ne voulons pas nous battre. Nous ne voulons pas nous battre. Nous ne voulons pas. Donc c'est que ça n'a pas pu se mourir parce que si vous avez mis nos autres problèmes, mais si nous nous avons parce que les noms ne doivent pas nous noter. On peut dire qu'on peut pas dans ça, mais si nous ne pouvons pas pouvoir, à quoi on a gâté? Non! Oui, ouais. Je sais que vous en avez déjà enfin. Oui, je sais. Dans le jurisme, c'est une maladie héréditaire comme il a dit. Une maladie héréditaire est une maladie métabolique. Une maladie qui est causée par le manque d'une enzyme. Ouais. Cette enzyme, on l'appelle la tyrosinase. Quand il y a carence, s'il y a carence de cette enzyme, vous n'aurez pas de la mélanine et vous aurez souffert de cette maladie qu'on appelle la maladie donc on administre. L'enzyme on l'appelle la tyrosinase. Ouais. C'est une maladie héréditaire, ça signifie quoi? Biologiquement, la lèvre d'albinisme est représentée par A. Et comme la lèvre, c'est en double lettre. Vous avez A pour Bignor, c'est l'albinisme. Et lorsque un albinos se marie avec une albinos, il ne peut avoir que des albinos. Ouais. Mais il y a des personnes qui ont la peau rouge. Des personnes apparemment normales. Ouais. Si tu avais le mariage endogame, c'est-à-dire au sein d'une même famille, on vous interdit, on vous dit ne vous mariez pas, non. Bon, comment allez-vous? Ouais. Et quand vous mariez, comme ça, avec le mariage endogame, qu'on appelle généralement les kituides, si c'est kituides, voilà. Vous avez la facilité de fabriquer des enfants qui sont, qui peuvent être albinos. Parce que les parents, vous êtes apparemment normaux, et vous pouvez avoir la chance de fabriquer des enfants qui sont comme ça. C'est comme la maladie qu'on appelle la drépanocytose, l'anémie falciforme, SS. Ouais. Ce sont des maladies héréditaires métaboliques causées par une certaine mutation. Et ici, particulièrement, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est le manque de cette enzyme-là qu'on appelle la tyrosinase. Il y a des gens qui m'ont rappelé à mon ami. Ils vont travailler ensemble. Oh, il y a un médecin, ils sont ensemble, ils sont ensemble, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ah non, là, on a un champion, on a un champion d'Afrique, on a un point là. Papa Bosco, normal à ça, la RTG à la pointe. Moi, je m'en rappelle bien. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est un peu regrettable,
Mais quand même, à des bonnes bandes, nous vas à la pourquoi vous n'avez pas pris les dispositions de Bazala là, j'ai dit. Non, vous avez un peu péché. On a péché, mais dernièrement, non, celle qui est en cinquième année commerciale, elle était malade. Ça fait. Elle était, mais elle est toujours malade. Non, non, elle était malade avec les informations que j'avais. Mais comme elle se présente, puis je ne sais pas si elle continue à être malade. Il n'y a pas elle, non. Et à part elle, on a seulement eu une abuse ce soir. Oui, oui. En cinquième année commerciale. Bon, désolé, quoi. Ouais. Okay. Mais elle est là, dernièrement, donc, il y a une semaine qu'elle ne vient pas. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle était malade. Elle habite où? Je ne connais pas, elle s'appelle Benga en cinquième commerciale, mais je ne connais pas le malade. C'est notre secret. Mets-toi un peu de. C'est notre secrétaire de la fondation, comme nous avons dit. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de lutter pour faciliter l'intégration et réduire la discrimination. N'est-ce pas? Oui. D'abord, bien sûr, qu'est-ce que ça pousse à faire le cas? Ok. D'abord, je venais de vous dire que moi, j'ai commencé à faire le karaté. Ce qu'on en a les bosseaux dans ça, là, c'est le caractère. Parce qu'aujourd'hui, je vous informe aussi que je suis un instructeur de la police, un instructeur militaire. J'apprends aux policiers et aux militaires les techniques de combat sans armes. Même quelques onisiens aussi, ils arrivent à bénéficier de quelques prises de champion de classe. Donc voilà, j'ai commencé à faire le karaté. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé le karaté, ils arrivent à inscrire vraiment des armées de gang-pain en aïe. Parce que le catch de mon gang. Mais ça, là, qui est karaté pour me défendre. Quand j'étais encore tout petit là, ça a 10 ans déjà, moi je faisais déjà le karaté. Pourquoi? Parce que là j'ai étudié à l'internat en commerce comme ça. Les amis, nous, quand même, ont vu mon poids, ça fait mal, c'est différent. Nous, 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 on a Robert. Ah, nous, sur Robert. Ma union, ce que ballon minimum, on aura le plus faible. Alors, un jour, il y a un ami qui a dit non, moi, on a Robert. J'ai sauté sur lui, n'a zui et puis n'a bois qui est, n'a zamba, et puis n'a zui ma titi à côté de nous, surtout n'a calier. Et tu vois, nous sommes en triomphe là, nous avons gagné. Alors je me suis dit, bon, le coup là, mon kéri, les amis, il va provocation, il allait le faire le catch, faire le karaté. Et pas mettre John Massis en gringue là. Et tant Massis ici, karaté, il s'est dit que, il arrive pour ça, la self-défense pour juger. Tu vois, que la self-défense, ils ont englobé parce qu'on vient surtout, hein. Il y a le karaté, moi, judo, moi, dit, nous sommes en catch. Mais donc, pour ça, il y a ça, la catch, c'est parce que je veux dire que dans la sport, on a gringué. Alors, celui qui m'a pris le catch, c'est Don Dadi Poumanoir. L'entraîneur Don Dadi Poumanoir habitait aussi Ngiringi. Donc, tant que ça va combattre, va vivre et tout ça, tant qu'on vit avec les chaos, on a pas à m'aider, mais il va aller, donc avec mon frère, j'ai moi, je me suis atterré même, pas petit. Mais bien, on a dit que ça, pour ceux qui pensent ça, combat et sali. Je me suis dit que Don Dadi Poumanoir a bimé la ligne, il y a mon délai, mon gauche, il y a mon délai, mon droit. Il y a moi, à l'époque, des gens disaient, oh, Bandanga, il y a Pouma Noir, il y a Kala, il y a Kala, il y a Kala, il y a Bandanga, Pouma Noir, il y a Bandanga, il y a Bandanga. Voilà quoi, donc, et donc, ça va être que, tu as vraiment la lutte, puis tu comme un catcheur, il y a Wana, donc voilà. Antine a répondu à la question, s'il vous plaît. C'est Pouma Noir. Non, 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 mais c'est l'entraîneur pour moi qui m'a, qui m'a donné c'est tout ça. Et puis après, créativité. Quand mon intérêt pour moi à voyager, on a créé propre club nanaï, créer parce que chez les amis, il y a un peu le statu quo. On a dans la catcher soit matin la manzete pour pas côté ma prise parce que j'aime toujours créer. Donc voilà quoi. Et donc mais à l'époque, on nous appelait le deux grands techniciens du catch, tu sais quoi. On était avec mon ami Charolin, c'est mon ami Charolin. Il réside en Europe maintenant. Donc c'est un frère technicien aussi aujourd'hui. Voilà. Mais Lélo, je viens de totaliser 53 ans. Je commence à me fatiguer. Déjà parce que le sport c'est l'âge. Et maintenant je fais le combat rationnellement. C'est vraiment. Donc voilà quoi, c'est des pieds comme avant. Mais je formais plusieurs techniciens, d'hélicoptères. Ici à Ngiringiri, il y a un catcheur à côté de la commune, ici, là, Benaga, Prince d'Ava. Donc c'est mon athlète, c'est lui d'ailleurs l'entraîneur de la catch club de Tel Africa, Choupin, pour la continuité de ce genre de catch en tant que leader du catch. Il y a des catchs, on est pour continuer. Bon, nous n'avons pas le moment pour tout le monde. Non, nous la sommes à détruire, nous la sommes à essayer. À beaucoup, non. On a d'abord pour une fois, nous avons même pas de mon nez à. Le colonel Zuma a posé le nom et canné dessus.
Voilà, c'est normal. Et je vous dis que ces combats, ils avaient arrêté, c'était à Kitona. Donc on a moins d'abord, parce que le nez de la famille, c'est un médecin militaire, le docteur Kouzo, il était commandant de l'école de santé. Alors quand je suis arrivé chez lui, dans Baki, Batwazaki, dans Mwanda, la priorité, il dit, nous, Louana, Aïna Ka, où il y a 4 heures. La priorité, il dit, non, mais il y a trop. Ça a pris 10 jours. Non. Il faut qu'on vous dise. Yokani, je suis déjà là. Et puis, le soir, j'ai expliqué à mon frère aîné, son vieux, je dois avoir le combat la semaine prochaine, avant que je voyage. Le vieux dit, non, tu n'es pas venu ici pour faire le combat. Hey, moi, je ne veux pas ça. Et tout ça, bon, il fallait réutiliser la belle scène, mais c'est sinon, il y a là, il y a besoin de partir. Mais quand même, vous type, il y a un boulot dans moi et tout ça. Alors, le vieux, a passé un garde pour la sécurité dans la juste dans moi, là. Mais vous savez, quand je me suis blessé là, chez le ring, mon adversaire, j'ai dit non, ce n'est pas votre problème, Bozon. Alors, quand je suis arrivé, je me suis blessé, il m'a pas mené à l'hôpital, il m'a tâté pour ce et tout ça. Donc, on m'a dit, c'est un problème de manque à mélanine pour le reste de la bataille de Banjo, tout le monde, Bozon. Et puis, il m'a mené, oh non! Ce qu'on a dit, nous, avant que nous soupe, il faut la noyer, ça. Sinon, je vous dis quelque chose. Mais nous avons, nous, les noms qui, nous avons les noms. Vous savez combien A? C'est que vous avez pour nous, nous avons combien de fois, on a fait ça dans les nègres de sport. C'est le préjugé inutile, quoi. Donc, nous devons aller, la Bino, ça va être au Zoka, mais il faut prendre soin, nous avons eu ce Bino que. Bah, demain, Bino, pas, bah, non. Venir échanger avec nous et puis c'est aussi une occasion pour nous. Voilà, donc on a approché M. Texas, qui est le champion, le catcheur international, et puis le président de la Fondation Mima Texas avec nous, les élèves. C'est aussi parmi l'objectif de cette conférence. Et puis il a partagé avec son expérience, comment il a commencé le sport ici en République démocratique du Congo et puis comment il a pu créer cette ONG qu'il est en train de conduire, c'est-à-dire la fondation Mwimba Texas. Non, mais d'abord, monsieur le président Bosco Kabamba, ou le président, cher président Bosco Kabamba, merci beaucoup du fait d'avoir pensé à moi en tant que calvinos d'abord. Vous savez que nous nous souffrons d'une discrimination criante, le thème était la discrimination. Et donc, il faut que Batwa change mentalité. Ici, à l'école, il fallait conscientiser les enfants, demander aux enfants discrimination zéro ici en République démocratique. Donc, je vous félicite parce que ce genre d'initiative n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai toujours dit que chacun de nous est censé l'ajouter en plus pour le développement de ces pays. Donc, cordon Bosco Kabamba, vous aussi vous êtes en train d'ajouter quelque chose pour le développement de ces pays. Et moi c'est mon boulot, donc j'étais censé de m'incliner, et puis je suis très reconnaissant. Vous me recevez de temps en temps dans vos émissions, quand vous m'avez appelé, et moi j'étais censé aussi de m'incliner, de répondre aussi positivement. Et donc voilà, il y a eu une réciprocité, j'ai animé, puis les enfants se sont aussi retrouvés. Et donc voilà, parce qu'à moi de vous encourager de continuer à travailler ici. Voilà. Voilà, nous venons là d'organiser une activité parascolaire, comme vous le savez. L'ONG Motoessika, le prix du citoyen congolais, a pour objectif d'organiser des activités dans différentes écoles. Aujourd'hui, nous étions dans la commune de Giringiri, précisément au complexe scolaire Georges Mouké, et nous avons échangé avec les enfants autour du thème de la RDC sans discrimination, mais aujourd'hui. Donc, nous avons invité le catcheur international Mwimba Texas, qui est également le président de la fondation qui porte son nom. Donc il a essayé un peu d'aider nos enfants à comprendre qui est albinos et
qu'est-ce qui fait que la personne puisse naître albinose. Donc c'était vraiment une grande activité. Et donc il a sensibilisé les enfants autour de la discrimination, comment aimer nos frères et sœurs qui sont albinose. Donc c'était plus dans le cadre de changement de mentalité, de comportement, pour que nos enfants puissent adopter un comportement responsable vis-à-vis de nos frères. Donc vraiment, nous disons merci à tous les amis qui ne cessent de nous encourager. Donc la Fondation Montoyasika est là pour vous, pour les éducateurs éducatifs. Donc nous sommes là pour essayer, tant soit peu, porter un plus dans l'éducation congolaise.